Un grand merci à tous de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler d'environnement, de pollution aujourd'hui avec cette question du chlordécone. Elle est au cœur de l'actualité depuis des années maintenant. Et le président de la République est passé il y a quelques mois maintenant en Guadeloupe. Il a ouvert la voie à des réparations pour les victimes du chlordécone. On en parle avec notre invité du jour. Maître François Laforgue, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avocat à Paris, hein, on va le rappeler. Expliquez-nous ce que vous faites là, qui vous a contacté, comment ça se fait que vous veniez ici en Guadeloupe défendre ce qu'on peut appeler les victimes du chlordécone. Depuis une vingtaine d'années, nous défendons les victimes de l'amiante, les victimes des essais nucléaires en métropole et les victimes de pesticides en métropole depuis une douzaine d'années. Mmh. Et donc l'association Envie Santé m'a sollicité il y a maintenant quelques années pour intervenir sur les questions du chlordécone en Guadeloupe. Donc nous avons proposé plusieurs actions que nous sommes en train de mener et notamment des actions qui visent à faire reconnaître le caractère professionnel de maladies contractées par des professionnels qui ont été au contact du chlordécone ou des victimes dans la population générale. Ouais. La question du chlordécone dans sa globalité, vous la connaissiez auparavant, avant de vous emparer de ce dossier ? Oui, effectivement, puisque j'avais été sollicité dès 2010 pour intervenir dans le dossier pénal pour des associations martiniquaises. Et donc j'avais été le relais à Paris d'avocats martiniquais et d'associations martiniquaises. Donc je connaissais le dossier du chlordécone, mais aujourd'hui, donc, nous avons déjà engagé une première procédure pour abaisser les limites maximales de résidus, ce qui a abouti à une réponse favorable du ministère le 16 juillet 2018. Et puis, parallèlement à ça, on engage des actions pour faire reconnaître le caractère professionnel, notamment de maladies contractées par des agriculteurs ou des salariés agricoles. Alors, votre action s'adresse à qui ? Donc à ces victimes professionnelles, à ceux qui ont contracté des leucémies, des myélomes, des cancers de la prostate, bien évidemment, à ces enfants aussi qui ont pu développer des maladies telles que des tumeurs du cerveau alors que leur mère a été exposée au chlordécone. Et donc on intervient ou on est susceptible d'intervenir pour toutes ces personnes-là. Ouais. Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui que ce chlordécone a amené ces maladies ? On n'est jamais certain. Je voulais y venir. Comment on fait pour le faire reconnaître juridiquement ? En fait, depuis maintenant de très nombreuses années, il y a des possibilités d'action, il y a des systèmes de présomption de causalité qui existent, notamment via ce qu'on appelle des tableaux de maladies professionnelles. Donc, dès lors qu'on a contracté une maladie et qu'on a été exposé à un ou un autre pesticide, eh bien, le lien peut être présumé établi. Et c'est à nos contradicteurs, qu'est-ce à la mutualité sociale agricole ou en tout cas à la sécurité sociale, d'apporter la contradiction et de démontrer que ce n'est pas en lien. Donc déjà, on a un système plus favorable pour les victimes professionnelles et puis, quand bien même on n'aurait pas ce système de présomption de causalité, il y a des faisceaux d'indices, il y a des présomptions graves, précises et concordantes qui nous permettent d'apporter la preuve du lien entre le chlore d'exposition au chlordécone ou à d'autres pesticides et l'apparition de maladies. Ça concerne à peu près combien de personnes en Guadeloupe ? On a une idée chiffrée du nombre de personnes qui ont été exposées ? Il y avait 13 000 environ travailleurs qui ont été exposés, travailleurs agricoles qui ont été exposés au chlordécone, semble-t-il. Donc cette population est directement concernée. Pour ce qui nous concerne, nous avons une centaine de dossiers de victimes de pesticides. Ce qui est beaucoup pour vous ou pas ? Les 13 000 ? Non, cette centaine. Non, centaine, c'est en métropole. D'accord. Nous avons engagé des procédures pour une centaine de victimes et nous avons obtenu gain de cause pour la plupart d'entre elles sur la question de la reconnaissance de maladies professionnelles. Donc c'est des choses qui aboutissent souvent favorablement. Donc, il n'y a pas de raison que les travailleurs de Guadeloupe soient les laissés pour compte, finalement, du système de réparation en termes de maladies professionnelles. Donc, on est là pour pallier cette déficience et pour apporter des solutions aux travailleurs guadeloupéens. Alors vous êtes là, vous allez multiplier les conférences. Il y en a eu déjà cette semaine et il y en aura encore ce week-end. On pense notamment à samedi du côté de Cap Esterbello. Je vous donne le lieu, c'est à la salle de l'Harmonie, route de Fromager. Ce sera à 16h. Dans la matinée, ce sera du côté des Abîmes à 9h, du côté de la salle de conférence du centre de ressources. Vous allez dire quoi dans ces conférences ? Vous allez expliquer aux gens comment on fait aujourd'hui pour recourir à la justice ? Oui, effectivement, je vais expliquer. Je vais donner quelques informations sur le droit à réparation des victimes du chlordécone, comment on s'organise, comment on dépose un dossier, qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir. C'est pas si compliqué que ça, justement. J'aimerais l'indiquer aux personnes qui viendront nous écouter. Je ne serai pas seul. Il y aura des politologues, il y aura des chercheurs, des économistes, d'autres avocats, parce que les avocats guadeloupéens et martiniquais ont fait un énorme travail sur la question du chlordécone. Donc
ils sont aussi partie prenante sur ces problématiques-là. Hein. Donc, je ne suis pas le seul. Et puis, donc, on est tâché d'expliquer aux populations comment engager des procédures, quelles sont les chances de succès également, parce que ça, c'est important, ne pas amener les personnes dans des procédures sans fin. Ouais, ces réparations, c'est quoi exactement? C'est de l'argent qui arrive pour les gens? C'est quoi exactement? Il y a deux dimensions qui sont importantes. C'est à la fois la reconnaissance de la responsabilité, le cas échéant, par exemple, si on engage une action contre l'État, comme ce qu'on va proposer de faire, dans certains cas. Et puis, il y a aussi la dimension financière, parce que lorsque vous êtes atteint d'un lymphome non-Hodgkinien ou d'une maladie de Parkinson qui est en lien avec des pesticides, vous pouvez bénéficier d'une rente. Et ça vous permet au moins d'avoir quelques ressources pour affronter debout, la maladie. Ouais. Ouais. S'attaquer à l'État, c'est compliqué, non? Ou alors le fait que Emmanuel Macron, lors de son passage ici, ait laissé une porte entrouverte, hein, on va dire, ça peut faciliter les choses? Oui, une porte entrouverte. Il nous parle de scandale environnemental. J'aimerais parler aussi du scandale sanitaire. Hein, c'est un scandale sanitaire, c'est un scandale d'État. Hein, ce n'est pas un aveuglement collectif, c'est un scandale aussi d'État, c'est la responsabilité des importateurs, des distributeurs, mais avec la complaisance de l'État, nous avons obtenu la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans d'autres dossiers, dans le dossier de l'amiante, dans d'autres dossiers devant les juridictions administratives. Nous pensons qu'en l'État, il y a une faute caractérisée de l'État sur le dossier du chlordécone, donc nous allons engager également des procédures devant les juridictions administratives contre l'État, oui, effectivement. – Alors là, il y a 5 réunions publiques, on l'a bien compris, qui s'adressent aux professionnels, mais les particuliers qui sont exposés au quotidien, hein, puisque cette pollution au chlordécone des sols, elle continue aujourd'hui en 2018. Il n'y a pas de procédure possible aujourd'hui ? Si, il y a déjà cette procédure que je viens d'indiquer, c'est-à-dire la procédure contre l'État, hein, qui est une procédure ouverte, pas seulement aux professionnels, mais également et surtout, je dirais, à la population générale. Je pense à ces enfants notamment qui ont pu contracter des maladies. Et puis, il y a d'autres procédures, parce qu'on s'intéresse au passé, aux conséquences du passé, c'est-à-dire à la contamination, plus de 90% mais il y a le futur, de la population, mais il y a aussi le présent et le futur. Il faut s'en préoccuper. Il y a la pollution des sols. Qu'est-ce qu'on envisage comme solution? Il y a ce qu'on appelle la réparation du préjudice écologique. Il y a un préjudice écologique majeur. Il y a une responsabilité de l'État. Il va également falloir que l'État rende des comptes, mais pas seulement par des déclarations de principe du président lors d'un déplacement en Guadeloupe. Il va falloir également que l'État rende des comptes devant la justice. Voilà, ça c'est l'objectif. Et puis il faut également envisager des procédures pour, c'est ce que nous avons engagé déjà en attendant une décision du Conseil d'État, pour que les personnes soient moins exposées au chlordécone aujourd'hui, qu'on trouve des solutions. Ça, c'est possible, ça? C'est possible, en tout cas, on estime que les limites maximales de résidus dans les produits… – Ça, c'est une première victoire, hein, pour vous. Ben, – oui, parce que dans la mesure où le ministère, après qu'on ait engagé le recours, nous ait écrit en nous disant, effectivement, vous avez raison, on va revoir notre copie et on va abroger l'arrêté précédent et on va prendre de nouvelles mesures, ben, c'est une victoire, effectivement, c'est un premier pas. On s'attache à la fois au passé, mais également au présent et au futur. Alors, le droit à réparation des victimes du chlordécone, on en parle ce samedi, je vous le disais, du côté de la salle de l'Harmonie, route de Fromager, c'était Capesterre-Belleau, à 16h. On vous remercie d'être venu sur Merci notre antenne. Merci à vous de m'avoir invité. À très bientôt sur l'antenne de TV, justement. Et on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour.